Coheme Prisons. A Koshibu Sawa production from its historical simulation series. Il était une fois, sur une rivière brumeuse, un lac fumant, jaune, tiré tout droit d'un film de Jean-Pierre Jeunet. Le ton sépia était présent, des navires formés d'une croix, des navires étaient en bois, prêts à aborder, sur le quai, cette grande cape, oui, c'est un acteur qui joue un empereur chinois. Le mal était présent. Les adversaires, les ennemis, allaient débarquer sur la Chine impériale. Mais heureusement, le maître des arts martiaux était là. Il maîtrisait absolument tout sur son passage. Il savait maîtriser les éléments. L'air, le feu, la terre et le vent qui soufflait dans les fanions et les emblèmes de son pays et de son royaume, car il faisait partie d'une musique façon Zelda et d'un dragon façon Dragon Ball. Oui. C'est un royaume qui fait partie d'une constellation de science-fiction. La vérité est peut-être ailleurs. Les rigueurs aussi, apparemment, dans ce studio de production qui ne savait pas forcément animer un dragon. Mais ce royaume faisait partie des trois royaumes. Et ces trois royaumes faisaient et formaient une romance. Romance des trois royaumes 4, le mur de feu. Salut les douilles, c'est nous les mêmes de la saga jeux vidéoludiques polygonales sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé vieille station. Aujourd'hui on s'attaque à Romance of the Three Kingdoms 4, Wall of Fire. One moment please. On voit directement une petite patte que c'est 1995 qui a marqué, et on avait dit oui, nous ne ferons plus de jeux sortis en 1995 parce que nous les avons tous faits. Que celui-là était sorti en 1996, donc l'excuse est légitime puisque le jeu était sorti en 1994 sur tous les autres supports, notamment la SNES, la Super NES, qui avait vu ce jeu, qui fait partie bien entendu de la saga des Sangoku Shi. Maintenant vous le savez, si vous ne le savez pas, vous revenez juste avant une petite patte sur l'épisode de Dynasty Warriors et là vous saurez absolument tout, vous saurez tout sur Sangoku Shi. Et là nous sommes face à un choix de scénario. Cette musique façon Le Grand Bleu, Eric Serra, ou en fait Romance of the Three Kingdoms 4. Et pourtant, alors c'est l'épisode 4, d'accord, je crois qu'il y a 6 épisodes, quelque chose comme ça dans la saga, et il y aura le 3 qui sortira après. Donc ce n'est pas qu'une convention à Los Angeles, bien sûr le 3, c'est un épisode qui sortira après en réédition par rapport au bon nom du bon vieux temps, ça c'est sûr, mes petites pattes. Et donc, nous choisissons rigoureusement les différentes époques de cet empire chinois, donc 2e et 3e siècle, comme on l'expliquait déjà dans Dynasty Warriors, l'épisode, on les colle exprès, hein, c'est juste pour vous montrer que avant Dynasty Warriors, il y avait bien sûr Romance of the Three Kingdoms. Koei a fait beaucoup de jeux, surtout sur cet univers-là, et c'est important de les voir, puisque sur PlayStation, il y en a eu pas mal. Donc, décembre 189, Dong Zhuo triomphe sur Luoyang. Novembre, c'est très précis, hein, y a même les mois, quoi. Novembre 194, Turmoil. Alors Turmoil, je sais pas si c'est le nom de quelqu'un ou si c'est quelque chose. S'étend dans toute la Chine. Octobre 201, Cao Cao, à ne pas comprendre avec Cacao, étend son domaine, hein, étend son pouvoir. Septembre 208, bataille du mur rouge. Alors, on revient au mur rouge, je sais toujours pas ce que c'est, mes petites. Avril 221, la naissance des trois royaumes, d'où le nom du jeu. Et en février 235, c'est le clash par vidéo interposée sur YouTube de Wei, Wu et Xu.
Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mes petites pattes? Je pense que la naissance des trois royaumes, ce serait pas mal. The birth of the three kingdoms. Et on valide avec la touche croix. Et alors, on peut choisir nos personnages. On peut en choisir qu'un, apparemment, un sur un. Donc, Cao Pi, Liu Bei, Sun Quan ou d'autres nouveaux. Je pense que Cao Pi, Pi Cao, et qu'il y a 23 villes. Attends, on va voir avec les autres, puisqu'on est là. Ah, lui, c'est le plus petit, hein, Liu Bei. Il n'y a que 6 villes. Et lui, il est entre deux, il a 11 villes. Donc, indiqué en rouge, bien entendu. Donc, on va prendre Cao Pi, hein, c'était vraiment bien. Et, c'est bon. Je crois que c'est bon, hein, on peut entrer directement, mes petites pattes. Et vous allez voir que c'est un réel jeu de stratégie. Comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'il y a aussi le jeu de stratégie mener nos troupes, etc., etc. Et en même temps, un jeu de gestion, on doit vraiment tout gérer au niveau des villes, des équipements. C'est très, très, très fourni, mes petites pattes. Et graphiquement, c'est pas si mal, puisque on rappelle que c'est un portage. Et que, hormis que ce soit une série de jeux créés par Valve, Portage note son nom aussi dans le fait que ce soit un jeu sorti sur Super NES à l'époque. Et que la 3D, c'était pas trop ça. Et on avait un petit peu, mais ça ramait, quoi. Ça ramait, hein. On se rappelle de Starwing, etc., etc. La 3D sur SNES, il y a des effets, mais c'est pas aussi bien que sur PlayStation, c'est clair. Mais normal que la PlayStation soit sortie quelques années après. Alors, dans quel mode voulez-vous qu'on joue, une petite patte, en mode fiction, en mode histoire? Ce serait bien d'en apprendre un peu plus sur la Chine, en mode histoire. Est-ce que les nouveaux officiers doivent apparaître dans le jeu? On va tout mettre. Et on va se mettre en mode normal, niveau difficulté, parce que le niveau avancé, déjà que c'est venu. On va voir, est-ce que tout est bon? Everything's gonna be alright! Et on est prêt à commencer la partie. Attention! Alors, une révolte populaire a pété. En gros, hein, le seigneur Cao Pi, le disciple de Daijian, est en train de préparer les révoltes. Donc, la rivière Yangtze, hein, qui est au-dessus, a déjà inondé tout le bazar. Hein. Donc, on va perdre, à mon avis, quelques villes. Donc, le but ici est, je pense, de regarder au niveau de la carte comment ça se passe au niveau de la rivière. Je sais pas vraiment où elle est. Alors évidemment c'est la partie supérieure d'après ce qu'il y avait marqué. Mais ce qui est bien c'est qu'en appuyant sur triangle on a les différentes villes en fait qui sont gérées par... alors je sais pas les shoguns du coup mais c'est... on va dire les maires. Ouais les maires des villes. Donc on en a 23. Donc avec la touche triangle on peut passer en revue comme ça gentiment toutes les villes qu'on a. Donc les 23. Et avec L1 et R1 quand ça nous plaît bien. Hein, donc Changhe. On a les différentes icônes et avec L1 et R1, je disais, on a les différentes informations, donc les taxes, tout en fait ce qu'on peut trouver dans un jeu de gestion. Et ça, c'est quand même cool. Et on a différentes rubriques en bas. La musique est sympa aussi. Hein. C'est vrai qu'on peut s'arrêter là-dessus aussi. On va essayer de prendre le plus puissant, Kaoren, Cao Pi. Peut-être revenir sur Cao Pi, on les fait toutes. Ah oui, et il y a même certains qui ont plusieurs villes. Donc on note la puissance des gens à cette époque-là. Attends, on a absolument tout ou pas là? Ah oui, on a beaucoup de sous. Harvest, donc c'est pour l'agriculture. Hein, on a vraiment de belles récoltes. 560 000 personnes. C'est pas mal. Alors au niveau de l'armée, on va voir ça. Donc on a l'onglet armée. On peut bouger, envoyer où? Déclarer une guerre. C'est pas mal. On peut même faire de l'espionnite. Ça c'est cool. Ensuite, si on appuie sur cercle, on peut revenir en arrière et appuyer sur croix, c'est pour évidemment valider. Search, recruit. Ah, on peut recruter des gens, ça peut être pas mal. Ah, non, on est trop puissant, ok. Peut-être qu'en changeant de ville, attends. On est combien là? 89 000, 117 900, 95 000. Pff, ouais, il y a des grosses villes hein, quand même, hein. Ça c'est assez important. Hein. 188, je pense que ce sera à 5 chiffres. Hein. Si on peut recruter, peut-être. Mais étant donné qu'on est quand même. Assez velu, 205 000, 202 000, pratiquement 500 000, ouais, ça va être assez compliqué. Dès que je vois 5 chiffres à mes petites pattes, je vous promets que on va essayer le voilà, on va essayer le recrutement. Non, on ne peut pas, on a trop de puissance. Donc on avait vu qu'il y avait 660 000 au plus gros, donc dans la plus grosse ville hein, finalement. Peut-être qu'avec du côté des rouges et des verts, là peut-être qu'il y avait... Oh la grosse ville! Oh la grosse ville, 825 000. C'est assez intéressant. Alors, search, est-ce qu'on peut... Attends, on va voir aussi au niveau de la ville. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on veut commander? Bah celle-là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des fermiers, on a de l'or. Diamant, on a des boutiques. On a des guildes aussi. On a
extrêmement fourni. C'est extrêmement fourni, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein, dans ce jeu. Ensuite, au niveau des autres paramètres, il y a... On fait le marché, on peut vendre du grain, on peut en acheter. Xbox, je vois pas trop ce que c'est. Ah, on peut acheter des chevaux aussi. Alors, est-ce qu'on en a... est-ce qu'il y a une icône comme quoi on a des chevaux? Je ne sais pas. 79 chevaux d'un côté, 62 de l'autre. C'est pas mal. C'est pas mal. On appuie sur cercle toujours pour revenir en arrière. Ensuite, on a plein de potins. On va dire ça comme ça. En fait, plein d'informations sur les types de gens, les grades, etc., etc. C'est un peu le côté scénario de plot. C'est un peu le scénario. Ensuite, les étrangers. Est-ce qu'on peut rejoindre? Ah, ça, je ne sais pas. Non, apparemment non. Ensuite, les règles, on peut assigner, on peut exiler des gens, hein, tout va bien. Déléguer, hein, donc au niveau des infos, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les officiers, vas-y. Empereur, d'accord, donc Kaopi, c'est vraiment l'empereur. Donc on a bien fait de choisir ce personnage. Il y a absolument tout, regardez comme c'est fourni, mes petites pattes. Il y a absolument tout, le pouvoir, le rang, donc l'EET, l'âge. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Ensuite, ça c'est ceux qui sont un petit peu en dessous, hein, ceux qui dépendent. Ensuite, les villes. Donc là, il y a absolument tout, c'est ce qu'on avait. Ah ben voilà, là on a la définition des icônes. Donc le nombre de gens, la population quoi, l'or, le grain, parce que c'est important à cette époque, hein, l'agriculture c'est vraiment l'un des pionniers en fait, hein, pour se sustenter et pour pouvoir nourrir absolument tout le monde, les soldats, etc. etc. Les soldats qui sont au nombre de 160. Entraînement 60, esprit 69, là, c'est marrant. Les fermes 81, dames, je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Je sais pas si c'est des... Non, je sais pas. Shops, donc les boutiques, hein, 84, les guilds 81, support 110, officier 2, hein, et on n'a pas de catapulte. Voilà, donc Léo Dagan serait très mécontent de cette ville. Il y a aussi les informations sur les intempéries, les maladies, etc., etc. Donc, ah oui, alors bah, ça c'est important. Donc au niveau de la rivière, apparemment... On a été informé que direct, il y avait une inondation. Donc au niveau, c'est vraiment les vers qui sont bien touchés. Hein, heureusement qu'on les a pas choisis. Mais il va falloir, à mon avis, bouger la ville qui est la plus au sud. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein, mes petites pattes. Faut pas que je me gourre de ville. Donc là, les flèches directionnelles ne servent pas à grand chose. Puisque c'est la touche triangle qui te permet de sélectionner, bah, son bon vouloir, la ville en fait. Donc c'est ce que la critique disait. Oh mais c'est dommage, un jeu comme ça qui se prête au jeu PC finalement, c'est dommage que ce ne soit pas compatible avec la souris. Et effectivement, il y a la souris PlayStation qu'on avait vu déjà sur les jeux de tir, hein, notamment. Donc on va essayer de faire bouger les gens. City. Voilà, donc c'est bien celle... Attends, c'est celle-là ou pas? Ah, je ne sais plus mes petites... Je crois que c'est celle-là, ouais. Tac, on va essayer dans Info. J'aimerais pas me gourer non plus. Donc City... Hop, voilà, ça doit être celle-là, hein. Events, Flood, ouais, c'est bien, Flood, hein, c'est bien ça. Donc c'est bien celle-là, on va essayer de bouger tout le monde, à ce niveau-là, il faut commencer tranquillou, hein. Alors, on va aller dans City, peut-être que c'est là-dedans, ouais, c'est celle-là. Alors, il faudrait bouger tout le monde, et ça, je sais pas comment on fait, est-ce qu'on peut, attends, tac, 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 officier, non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Yes, on veut juste qu'il bouge. Donc peut-être dans move. Mais je sais pas si c'est l'armée vraiment, parce qu'il n'y a pas que l'armée quoi. Staff. Ah, peut-être il y avait exilé tout à l'heure. La 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 la. On va essayer de bouger les gens déjà. What do you like to move? Ben là. Qui veut mener la bataille? Ben Dang Meng. Donc ça sort très bien ça. Combien? Bah tout, hein, on va essayer de tout... How much gold should we take? Combien d'or devront nous prendre? Bah... Voilà, 4000. Moi ça me va. Il va me faire? Non, on peut pas. 5000, 6000, voilà, c'est très bien. Ensuite... Ah mince! Attends. Ouais, ça. Should we move? Yes! On va voir ce que ça fait s'il y a une animation, des choses comme ça, mes petites pattes. Non, apparemment. Move, mais ça c'est fait du coup. Voilà, ensuite, est-ce qu'on exile les gens? Ça, je sais pas comment ça se passe. Attends, on va voir. Staff, ça c'est bon. City, ça on l'a vu, hein, mes petites pattes. On essaye de naviguer dans les options. Mark, ça c'est bon. Plot, foreign, ça on est bon. Ruler, on va essayer de. Ouais, allez. Kaopi has gone into exile.
c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, mes petites pattes, hein. En fait, je pensais que c'était juste la ville. Eh ben, c'est bien dommage tout ça. Ben, on va essayer de recruter des gens. Ce vieux lâche, en fait, c'est l'empereur qui se barre. Alors, should we try and recruit? Alors, on va essayer de recruter des gens. On va voir comment ça se passe, là, à mon avis. Bande annonce avec l'effet sonore qui va mal. Je cherche quelqu'un comme toi. Never mind, I found someone like you. Est-ce que tu me rejoins? J'accepte. Et ben voilà, Zhang Hu a rejoint nos rangs. Donc peut-être qu'il c'est un mal pour un bien, finalement. Est-ce qu'on a gagné, du coup, les villes? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Attends, ensuite, si on a... Donc on a recruté des gens malgré... Hein, la lâcheté de l'empereur qui est complètement parti un petit peu partout. Est-ce qu'on recrute? Non, on peut plus recruter. Est-ce qu'on bouge ou pas? Non, on peut finir notre tour finalement. Je sais pas comment on fait. On va essayer de voir ça dans les options. News. Je n'ai pas l'information à te donner, très bien. Info, ben, on peut finir le tour hein, finalement. Oh, donc il y a plein de trucs à récupérer finalement. C'est la chance inespérée pour les autres. Voilà, est-ce que tu as fini ton tour? Oui. C'est bon, ben on va essayer de recruter. Alors attends, est-ce qu'on peut... non, est-ce qu'on peut choisir d'autres... Non, on peut pas choisir. On essaye de recruter d'autres personnes, hein, du coup. Parce que ça a l'air de bien se passer. Et 78 personnes, on va faire d'abord petit à petit, hein. 47. Alors pour le coup, on est un peu bloqué au niveau des... On a bien fait de faire un petit panel de ce qu'il y avait comme choix à disposition. Puisque là, on est un peu bloqué. Alors, je cherche quelqu'un comme toi. Je n'ai rien à faire avec... D'accord, donc... Va-t'en et laisse-moi tranquille. C'est un échec. J'avoue que je suis un petit peu... Donne-moi l'opportunité de servir... Ah bah alors... Bah oui, bah on va recruter. Mais attends, mais en fait c'est l'empereur qui n'a pas voulu. Par contre, il y a quelques servants qui ont dit... Oui, oui, enfin quelques officiers, hein, c'est pas les servants, c'est quand même les officiers. On va essayer de recruter. Non, bon, ben on va finir jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose d'assez dramatique niveau... climatique, puisque là il y avait déjà la rivière. On va voir, on va essayer de recruter encore quelques gens. Ah bah il n'y a plus que 16 officiers. Ça peut être pas mal. Et après je sais pas exactement ce que l'on va faire. Ce qu'on note quand même, c'est que il y a pas mal de choses à faire. Tu dois être à moitié endormi. Qu'est-ce qui fait que j'aimerais t'aider? C'est un échec. Bon, une réussite sur 3, c'est pas mal. Ah mais voilà, armée a avancé les soldats. C'est pas mal. Donc, est-ce qu'on peut bouger nos soldats? Alors, attends, parce que pour le coup, on a plus grand-chose. Est-ce qu'on doit bouger? Bah ouais, on va essayer de faire des choses quand même, hein, mes petites pattes. Et ce qui est bien, c'est ce que je voulais dire... Ah oui, bah viens, bien sûr, évidemment. L'armée avancée des soldats de Shangyang à Xinjie. Bon, bah voilà. Bon, mais ça fait un petit peu comme risque, là, pour le coup, hein, puisqu'on est un petit peu impuissant face aux exactions, puisque on a formé l'exil de l'empereur. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ces animations-là. Il y a vraiment des acteurs qui ont tourné pour le jeu, et ça, je trouve ça cool. Alors, l'armée de Sun Quan a été vaincue. Donc, du coup, est-ce que c'est bon pour nous? Je ne sais pas. Attention, prochain tour. Voilà, super. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Non, on n'a pas grand chose. Finalement, il n'y a pas d'aide. Settle. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on fait ça de... Oui, c'est chez nous. Voilà. On est chez nous. Voilà, parce qu'il faut quand même un petit peu gagner du terrain, puisque on a plus de chef. Hein, on repart depuis le début, alors qu'on avait le truc le plus puissant finalement. C'est un beau choix. Alors l'armée, c'est parti. On va déclarer la guerre plus tard. On va essayer de construire des choses. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce qu'on peut tiens, sur Kaopi, on va essayer de faire. Mais attends, mais c'est peut-être des catapultes. Ram, je sais pas ce que c'est. On va tester un petit peu dans l'air pour tester. On va... Voilà. Ça va coûter combien? Bon, on a assez, de toute façon. Ça va prendre 7 mois, par contre. C'est ça, le truc qui dérange un petit peu. Eh bien, on va essayer de vendre des trucs. Qui voudrait acheter? Tac, tac, tac. Kao Tsang, peut-être. On a combien à vendre? On n'a pas beaucoup, hein. On n'a pas beaucoup, une petite patte. On va essayer de vendre 11. Je suggère d'attendre que les taux soient un petit peu meilleurs. Eh ben, on va quand même lui vendre. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on fait des choses, hein, mes petites pattes. Hein. On a plus rien, mais on fait des choses. Il n'y a pas d'autres sites. Voilà, d'autres armées. D'autres villes. Hein. On a que celle-là, hein, évidemment. Et si on déclarait la guerre? Voilà, histoire de... En staff, qu'est-ce qu'on a? On va pas recruter encore? Bah ouais. On peut pas recruter, ce qui est tout à fait logique. On va essayer de déclarer la guerre.
Est-ce qu'on peut pas bouger? Attends, est-ce qu'on peut bouger sur une autre ville qui est dispo? Ce serait très très cool. Allez, lui et lui. Voilà, Mao et Ji. Allez, c'est parti. Ah non, c'est juste pour bouger. Allez, on prend rien. On prend rien du tout. Et on va essayer de bouger sur cette ville. Ah, ça ne l'a pas fait. Attends, attends, les petites pattes. Voilà, je recommence ici. On prend absolument rien. Ji et Mao. Voilà, hein, le duo d'enfer. Donc on prend une. Voilà, on va essayer de faire une unité à chaque fois. C'est pas beaucoup. Mais au moins, ça fera gagner du terrain. Par contre, si on se fait souiller, bah voilà, c'est tant pis. Voulez-vous bouger? Oui. Allez, c'est parti, mon kiki. Je délègue. Et voilà, on a deux. C'est pas beau, ça. Voilà, voilà, c'est magnifique. On va essayer de faire. On peut reprendre comme ça, gentiment. Par contre, on va essayer de déclarer la guerre. Ah, on peut pas attaquer. Ah ouais, donc il faut bouger, d'accord. Donc on va bouger tout ça. Tout ce qu'on a dans la ville la plus proche. C'est-à-dire celle-là, hein, celle qu'on avait quittée la dernière fois. On met absolument tout le monde. Et là, on va déclarer une guerre sanglante, mes petites pattes. Ça va valoir le coup. Voilà, on prend tout. On prend absolument tout ce qu'on a. C'est pas très grave. Voilà, hop, 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 hop. Attends, gold. Donc, bah ouais, 7. 7, on va dire 7, allez. Le grain, on va mettre ça. On peut pas juste dépasser tout, hein. Hein, il faut être précis dans le nombre. Mes petites pattes. Tac, 7, hein, si je me rappelle. Oui, voilà, c'est ça. Là, on a rien. On va bouger. On prend lui, hein, parce que c'est le plus badass. Voilà, et on a une ville. On a une ville. Alors, si on change de ville avec triangle, là, on peut déclarer la guerre, logiquement. Ah, il n'y a pas d'officier. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Il faudrait recruter, du coup. Il faudrait recruter. Et là, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que... Voilà. Voilà, donc on finit notre tour. Pour l'instant... Je donnerai ma vie pour toi. Ben voilà. Ah, et Cao Pi a rendu l'âme. A passé l'arme à gauche. Donc il faut quelqu'un. Il faut Zhanglu. Voilà, il faut désigner le successeur. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien comme. Et Zhanglu est le nouvel empereur. Voilà, ça a été déclaré comme ça puisque il a passé l'arme à gauche. Hein. Il est passé les pieds devant. Est-ce qu'on doit. Qui doit servir? Ben absolument. Cao Zhang. Voilà, ça me paraît bien, comme gouverneur. Mais là, quand je dis que c'est un vrai jeu de stratégie, c'est qu'il y a tout ça à gérer en même temps. C'est gestion et stratégie en même temps. Donc là, il y a les petits drapeaux. L'armée de l'OIB a défoncé Zhang Lang. Sun Quan, l'armée, a battu, enfin, a combattu dans le château. Bon, c'est un peu la même animation, mais on comprend un petit peu le truc. L'armée de Liu Bei est victorieuse, a gagné, bien sûr, bien joué. Donc, ça lui fait une ville de plus. Eh bien, on va essayer de déclarer la guerre. Puisque là, c'est possible, maintenant, ça y est. On a absolument tout le monde. Et on va foutre sur la tronche. Alors, on organise nos unités. Mais c'est vachement bien fichu, hein, pour rester poli. Lui, on va le mettre en tant que lieutenant. Est-ce qu'on peut? On peut mettre des sous-lieutenants? Génial. Ensuite, il y a d'autres commandes. Voilà. Eh bien, là, on est pas mal, hein, mes petites pattes. On va rentrer en guerre. Alors... qu'est-ce qu'on peut faire? Type soldat. On peut. Ah oui, on peut vraiment prendre pas mal de choses. Donc soldat. How many soldiers? Combien de soldats? Ben on va en mettre 300. Hein. Voilà. Hein, ça me paraît bien. Ensuite là, je sais pas si on peut. Attends. On en met 60, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est possible en fait. 10. Ah oui, parce que c'est. Oui, c'est les autres. Ah mais là on peut changer. Voilà. Voilà, et là on est bien. Oui, oui, non. 40. On peut ou pas? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer, hein. Là, on peut en mettre plus, logiquement. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut annuler les soldats ici. Voilà, 0. Et ici, mettre. Ou pas. Attends, qu'est-ce que c'est ce délire? Là, je comprends pas, mes petites pattes, hein. Là, on peut en mettre 10. Mais. Si on les change. On peut en mettre que ça. Et là, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas non plus. Bon, ben on va essayer comme ça, mes petites pattes. Je suis pas sûr de l'efficacité du truc. Combien on doit prendre d'or? Allez, 10 000, allez, c'est parti. Le grain, on en prend 10 000 aussi. Je suis certain que nos forces vont prendre la ville rapidement. Eh ben, on attaque, mon gars. Avec lui, allez. L'armée, tac, 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 allez, c'est parti, on va voir le combat du siècle, mes petites pattes, attention! L'armée va combattre dans son château, bien sûr. Attention, moment fatidique.
Oh, mais il y a l'animation et tout. Les positions, voilà. Et quand je disais que c'est vraiment un jeu de stratégie, c'est que c'est pas pour rien, quoi. Parce que là, on doit vraiment tout commander, un par un. C'est ça que je voulais vous montrer avant de finir l'épisode, mes petites pattes. C'est qu'on a absolument tout sur son passage. Voilà. On peut vraiment faire le tour par tour. C'est l'un des jeux, sur PlayStation, hein, du moins. Sur PlayStation, c'est l'un des jeux de stratégie les plus complets qui soient. Vraiment. Parce que là, on peut commander nos trucs tour par tour. On est deux fois plus nombreux. Normalement, on devrait bien s'en tirer. Est-ce qu'on a des actions à faire? Je sais pas comment ça se passe. Non, attends. On appuie sur... Parce que là, j'appuie toujours sur croix, hein, depuis le départ. Est-ce qu'on peut les attaquer directement? C'est bien foutu, hein. C'est très très bien foutu. Ah ben, on va attaquer direct, je crois. Hop, hop, hop. Allez. Plus que 67 de vie. Mais il part par où, là, au fait? On va essayer de l'attaquer à deux. Hop. Tac. On attaque toujours. Plot. Qu'est-ce que c'est que ça? Plot, free, betray. Alors là, c'est, je sais pas. D'accord, très bien. Allez. Ok. Bon, on attaque, hein. Il perd pas beaucoup, hein. La porte est quand même assez... assez robuste. Oh, mais on a une échelle. Et ils veulent se barrer, c'est un truc de fou. Attends, là... Là, on s'éclate vraiment, quoi. C'est un truc de barge. J'espère que ça vous plaît, mes petites pattes. Malheureusement, on n'aura pas trop le temps de finir le le pillage. Parce que là, ça part très très vite. J'essaye. On essaye, mes petites pattes, d'aller le plus vite possible. Mais ça, c'est assez compliqué. Puisqu'on peut faire que vraiment tour par tour. Mais en tout cas, c'est vraiment du fun. Voilà, si vous aimez les jeux de gestion, si vous aimez les jeux stratégie, et si vous avez rêvé un jour d'avoir les deux en même temps, ce jeu est fait pour vous. La saga aussi, hein, Romance of the Three Kingdoms, c'est vraiment de très bons jeux, et ça s'émule rapidement. Hein. Si vous avez une SNES qui continue à faire le truc, c'est parfait, mais vous pouvez le faire sur PlayStation, etc., etc. Voilà, je vous dis matin et bon certain, je vous dis à la prochaine pour d'autres, et pour tout le monde, vous dites ciao.